Le premier dimanche de mai 68, la Maison des Jeunes et la municipalité de Nogent-sur-Marne organisaient la première foire du livre au format de poche. Hervé Bazin, bonjour. C'est votre première signature de livre de format de poche ? Non, mais enfin, ça m'arrive de signer, souvent de signer des livres de poche, mais ne signer que du livre de poche, c'est la première fois. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule ? Vous pensez que le livre de poche a droit à cet honneur ? Pourquoi ? Quelle différence avec le livre ordinaire ? Parce qu'on le paye plus cher, il aurait droit à une signature. Alors, je pense que c'est tout à fait le contraire, justement. Bernanos ne signait que des exemplaires éculés, pour être sûr qu'on les ait lus. Au moins là, on est sûr qu'on achète le livre de poche pour le lire et pas simplement pour le mettre en collection. Exactement. Est-ce que vous avez comme ça des... vous avez le temps de regarder les gens qui viennent vous demander les livres ? En général, il y en a trop. Alors c'est difficile de parler. Mais enfin, quand on a un petit moment, c'est toujours intéressant de parler avec le lecteur. D'abord parce que les trois quarts du temps, ce sont eux qui vous montrent le plus clairement là où on s'est trompé. Ah oui. Les critiques, généralement, ne le voient pas, mais eux, ils savent.